Bonjour à tous, ici Samuel Levin, donc élu CCI Seine-Estuaire et aussi PDG de la société Unifère Environnement. Donc nous on est spécialisé dans le recyclage de déchets et comme vous le voyez, bah, nous on a encore un peu d'activité. Ici on voit un camion à nous qui est en train de peser des déchets. Ici un transporteur routier, derrière moi un artisan qui livre des déchets. Donc en fait ici l'activité ne s'arrête pas. Donc on a un métier effectivement où il y a beaucoup de contraintes, le recyclage. Aujourd'hui, même si les gens sont confinés, il faut savoir qu'ils produisent du déchet. Donc il n'y a rien qui s'arrête, il y a encore des entreprises qui sont là. Il y a les supermarchés qui travaillent beaucoup en ce moment avec tous les déchets d'emballage notamment. Donc bah, nous on ne peut pas s'arrêter, donc on a continué. Évidemment on respecte toutes les consignes de sécurité, les gestes barrières, etc. etc. Mais en tout cas, voilà, on est obligé d'être là. Aujourd'hui, en cette fin de semaine, on est environ à 30% d'effectifs restants. On a fermé un de nos trois sites, celui du Havre Nord, où il y a encore une partie robotisée, automatique. Aujourd'hui, en fait, on a réussi à occuper quand même une partie de l'équipe cette semaine à vider nos alvéoles. Mais comme vous voyez derrière moi, il y a beaucoup moins de déchets en stock. Donc on a encore un réservoir de travail pour quelques jours. On espère que les entreprises peut-être vont rouvrir un petit peu ou moins partiellement pour pouvoir maintenir cette activité. Donc voilà, donc nous on continue. Donc, et en tout cas on a aussi surtout besoin de sous-traitants parce qu'on a beaucoup de sous-traitants qui commencent à être fermés. Ça peut être problématique en cas de crevaison, de panne de camion, de problèmes hydrauliques. Et donc il faut qu'il y ait un service minimum dans les entreprises. Voilà, merci beaucoup, bonne journée.